Donc, il faut le d'Adibé, et ici, ça n'est. C'est devenu scandaleux. Et nous, on a même failli détruire sa carrière. En annonçant que nous avons fait un débat. Il faut faire un débat. Il faut faire un débat. Il faut faire un débat. Fenty. Ce sont les Fenty, Siga. Maman, mais. Mais maintenant, dans ma couleur, il y a un changement, moderne. Quel est le genre de changement que vous voulez en Guinée si on doit maculer la vérité, si on doit enquister la vérité, si on doit couvrir la vérité? Je vais débattre ça, mais pour gagner en temps, on va aller directement sur l'ordre du jour. L'ordre du jour, quand vous allez lire là, j'ai commencé par dire quoi? J'ai dit, je parle aujourd'hui de trois sujets. Le premier sujet, mon conseil et ma reproche aux leaders religieux de la Guinée face aux politiques malsaines de la Guinée, aux politiques qu'ils ont tous témoigné. Tous témoigné. Mais beaucoup d'entre eux sont restés inertes. Et les grands leaders politiques sont restés calmes et silencieux par rapport à la politique silencieuse de la Guinée. Mon deuxième sujet, je parle aujourd'hui de la vie de Conakry, c'est-à-dire les locataires, le prix des maisons. Ça galope, on fixe le prix des maisons comme ils veulent. Je m'adresse aux commerçants, le prix alimentaire de cette vente comme ils veulent. Pourquoi? Donc je veux interpeller le CNRD à venir au secours du peuple. Il est très facile de réconcilier un peuple, hein? Il est très facile de faire la justice, mais il est un peu compliqué quand le peuple vit minablement, misérablement, parce qu'aucun Guinéen ne peut vivre de son salaire. Il faut considérer cette vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter des pillages, des vols, des actes arbitraires, pour que chacun se sente à l'aise avec son salaire? Qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut une doléance. C'est le deuxième sujet. Le troisième sujet, je parle de Fria. Fria, les gens de Fria savent que je fais des cris de gueule depuis très longtemps. Mais cette dernière fois, je suis un peu acharné sur une seule personne. Donc, il y a des moments, Mire Flama, Bangambira, à la baraka Gereso, à lui qui, à la m'guerrinta ma Gereso. Mamou, mon roi, n'gouraf, à la baraka ma Gereso. Le troisième sujet, je vais déballer ça. Donc, je vais commencer par le premier sujet. Les concessionnaires, oui, mon frère, mon Lamine, et non les locataires, les concessionnaires, excuse-moi, non les locataires, je m'excuse, c'est une erreur de langage. Les concessionnaires, d'accord, merci mon ami. Je vais revenir sur le premier sujet. D'abord, avant d'amorcer ce premier sujet, c'est-à-dire mon conseil et ma reproche aux leaders religieux face aux politiques malsaines de la Guinée, je veux poser la question à tous les Guinéens, chrétiens et musulmans. On a un nom de Fala. On va dire une seule vérité. Je pose une seule question et je voudrais que chacun réponde à cette question-là. Pourquoi? Pourquoi? Quand on parle de sagesse, quand on s'adresse aux religieux guinéens, pourquoi à l'unanimité, c'est-à-dire généralement, que ce soit les chrétiens et les musulmans, pourquoi tout le monde dit qu'on veut que Robert Sara vienne en Guinée? Pourquoi tout le monde est unanime que Robert Sara est vraiment un homme de Dieu, qu'il est correct, qu'il est sincère? Pourquoi tous les Guinéens sont d'accord avec ce sujet? Il n'y a pas de débat, et sur les chrétiens, et sur les musulmans, que le cardinal Robert Sara est le meilleur exemple des religieux de Guinée. Il n'y a pas de débat dessus. Pourquoi? Pourquoi Robert Sara, le cardinal Robert Sara, à l'unanimité des esprits des Guinéens, reste et demeure le plus sage et le religieux le plus respecté de la Guinée? Pourquoi on ne parle pas du premier imam aujourd'hui? Pourquoi on ne parle pas de l'archevêque d'aujourd'hui? Pourquoi tout Robert Sara qui a quitté la Guinée, ça fait longtemps? Pourquoi c'est encore toujours son nom qui est cité parmi les religieux les plus sages et le plus crédible, le religieux le plus crédible de la République de Guinée? Donc si vous pouvez répondre à cette question, ça vous amène aussi à comprendre pourquoi les religieux qui sont devant nous aujourd'hui ne sont pas crédibles. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Ce n'est pas une honte, hein, mais c'est une définition divine du nom de Dieu. Ce n'est pas une honte.
Ce n'est pas une honte quand on voit aujourd'hui et les imams ont commencé à s'interattaquer en Guinée. Ce n'est pas une honte, hein. Mais c'est Dieu qui fait signe de vie. C'est Dieu qui revient sur la plateforme guinéenne. C'est Dieu qui revient parmi nous. Parce que Dieu avait disparu parmi nous. L'argent avait pris la valeur au-dessus de Dieu. Le pouvoir avait pris la valeur au-dessus de Dieu. Les intérêts avaient pris la valeur au-dessus de Dieu. Donc quand on voit aujourd'hui Mamar Salif Kamara, le premier imam de la mosquée Faisal, qui est parti aujourd'hui justifier son leadership religieux à GG, à Espace Guinée aujourd'hui, c'est pourtant dire qu'il se reproche de quelque chose. Aller justifier devant l'opinion nationale ce qui s'est passé. Il n'a pas justifié ça hier. Aujourd'hui, il part justifier. Pourquoi? Un homme de Dieu. Un homme à qui on doit porter confiance. Un homme à qui personne ne doit douter. Oui, je suis d'accord, j'ai vu des amis, des frères qui veulent dire que c'est un homme de Dieu, il ne faut pas l'atteindre. Mais je connais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment un politicien quand le politicien fait l'affaire du pouvoir en place, que le pouvoir qu'il supporte. Si un leader religieux aujourd'hui défend un parti politique, tous les membres de ce parti politique le supportent. Et c'est dommage. Si aujourd'hui quelqu'un a défendu Alpha, ou il est resté silencieux sur tout ce que Alpha faisait, tu vas voir les partisans du parti du Alpha acceptent cet imam. Et pourtant, il n'est pas imam que pour un parti politique, il est l'imam national. Il doit parler pour le peuple. Il ne parle pas par identité, il ne parle pas par image, il parle pour le peuple. Et le peuple est plus qu'un parti politique. La nation guinéenne est plus grande qu'un simple parti politique. Qu'un simple nombre de 36 personnes, ministres du ministre, la Guinée est plus que ça. Donc je vais m'adresser aujourd'hui aux religieux de la Guinée. Parce que on a fait un changement au moment et on veut qu'il y ait audit, on veut qu'il y ait changement, on veut qu'il y ait sélection, on veut qu'il y ait nouveauté, on veut qu'il y ait aujourd'hui une propriété dans le travail national. Donc quand on commence les audits, j'interpelle CNRD. Ce n'est pas que la gabegie financière, ce n'est pas juste que la politique. Quand on doit faire des audits, c'est-à-dire à l'appréciation du peuple de Guinée, la logique réclame qu'on doit nettoyer dans les maisons de Dieu. On doit faire des audits religieux, les personnes qui doivent défendre le nom de Dieu. S'ils n'ont pas l'esprit sale, s'ils n'ont pas le cœur sale, s'ils n'ont pas la main sale, s'ils n'ont pas reçu de la saleté, s'ils n'ont pas reçu de l'impureté, s'ils n'ont pas reçu de la malédiction, ceux-ci-là doivent être bannis de la direction divine. On ne doit même pas douter autour de ça. Ce n'est pas un débat. Quand on commence à faire les audits, on doit faire les audits sur les terres guinéennes. Parce qu'il y a beaucoup de terres qui sont devenues aujourd'hui les propriétés personnelles de beaucoup de personnes par le canal du pouvoir. Ils ont eu des plantations, ils ont eu je ne sais pas combien de yards, combien d'hectares de terres, parce qu'ils font l'affaire du gouvernement. Il y a beaucoup de terres qu'on va vendre aujourd'hui, que ces ministres, ces directeurs ont eu des maisons. Il faut qu'il y ait audit à tout. C'est même quand il y a vente de maisons aujourd'hui, il faudrait qu'on passe l'étude de cette maison, qu'on sache ça provient de qui, de la source mère au propriétaire final, avant de vendre la maison. Les audits doivent continuer purement et sérieusement. Donc quand on commence l'audit, moi je veux parler aujourd'hui de l'audit au niveau de la maison de Dieu. Partagez vivement ce message. Partagez vivement ce message. C'est quoi un religieux? C'est quoi la religion? C'est quoi un imam? C'est quoi un représentant chrétien? La religion, être un imam, l'imam n'est pas une religion. Non, c'est une identité qu'on choisit pour lui donner la tâche d'une religion. C'est-à-dire la religion musulmane, c'est ça un imam. Il devient l'éclaireur des esprits. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tous les hommes sont nés pour servir Dieu. Même les chefs politiques là, ils sont nés pour servir Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Et la religion est un rappel. Est un rappel
de l'existence de Dieu. C'est un rappel des commandements de Dieu. C'est une orientation divine. C'est ça la religion. Les religieux sont les guides. Les religions sont des guides, les représentants, les élus de Dieu, pour guider les gens vers le droit chemin, vers la vérité. Les guides religieux, les responsables religieux sont les défenseurs des commandements de Dieu. Donc quand tu es un imam, un premier imam, tu es un cardinal, tu es un monseigneur, tu es un prêtre, tu es un défenseur des commandements de Dieu, tu vis au-dessus de la loi divine, pas au-dessus de la loi des hommes. Tu es une personne que même les chefs politiques respectent, les millionnaires respectent, parce qu'ils ont besoin de toi pour les orienter sur le droit chemin. Ce n'est pas toi qui as besoin d'eux. Ils auront besoin de toi pour que tu les orientes, pour que tu les mettes sur la ligne. Tu es un choisi de Dieu, ce n'est pas lui qui te choisit. Non, mais tu dois être là, capable d'être vers n'importe quelle personne, les dire que Dieu existe et c'est ce que Dieu demande à faire. Sosoui, enera fanya, ah, miringa nan dori, miringa fere makula, imirima le fani mon anarmora. Mais fani, tout comme les prophètes, iname, kontofri na irindi, fenyar na irindi, et que toi, tu es l'élite de Dieu. Tu es quelqu'un qui représente l'image de Dieu. Il n'a rien à faire là, il est né. Il qu'il est mené, c'est nous comme est-ce que ça y a y a là. Il ça y a fin, y a y a là. Il n'a pas fini. Il n'a pas imam fini. Mon père fini. Il m'a donné mon mosquée ramdé là. Mais il a fait tantôt de. Il m'a donné église ready. Mais il a fait tantôt de. Il n'a même pas y église. Saint Anne est pas sorti. Balou pas sorti. Fico pas sorti. Mangue pas tantôt. Il t'a allé à Mérina Nera. Bignacé Nera. Il qu'il est mené. Suturakui isa na kanito ya fala mange mbare ime jinan fan jinan duala ala koni imu wema ta gafira mari ala ka wayina nan fala ala nake eina na bama eina na bama inana ma ala ka mire Robert Sarah n'a jamais fait de protocole, il s'est jamais mis dans le protocole. Robert Sarah est parti voir tous les leaders politiques a fala manebe de tête à tête et il n'avait aucune crainte de te faire le reproche publiquement que ma main tête à tête. Il n'a jamais évité pour ne pas faire atteinte à un qui que ce soit, parce que la vérité blesse. Mais il y a une manière de dire la vérité. Oui, la religion dit qu'un religieux ne doit pas créer une incitation à la violence. Pourquoi? Jésus l'a exprimé, hein? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas inciter les gens à la violence. Non, tu dois éviter qu'il y ait violence. Mais tu ne dois pas mentir. Tu ne dois pas protéger le mensonge. Tu peux calmer la population. Pour ne pas que les incitations. Il y a toujours des termes à utiliser pour calmer la population. Et nana ma limania die ala ramangea semebre na lananira. Itrana woyam falama. Mais il na fala, il ma lu mo kon continue à les abuser. Il na ndé fala nyene bien de fala ma kenda bana wandi bagrira. Kebar na fala population me wodié. Il harul la nanana. Mais mal lam ni gaga sankritu go yasu isga mangayiri. Atanna nga walke na pinya da bana mangé. Nga na ba te ki e doa mo la me gaira ba. Il ra wal nanana. Faites monter les cœurs. Quelqu'un vient de faire mon ainsi. Faites monter les cœurs. Isgamé sa fala mangé mené mangé. Ta moulangri. Ta canari. Woule barbota. Ton yé barbota. Kassare barbota. Isgamé sa fala mangé mené. Hier, les Guinéens disaient libérez les prisonniers politiques. Libérez-les. Aujourd'hui, un petit nombre qui se taisait quand on disait libérez-les. Ce petit nombre disait aujourd'hui libérez-le. Avant, c'était libérez-les. L'air était qui? Beaucoup de Guinéens dignes, sincères, qui étaient interdits de dire la vérité, qui étaient abusés de dire la vérité, qui étaient empêchés de dire la vérité, qui étaient utilisés comme les mécréants et les méchants parce qu'ils réclamaient le droit du peuple. Imam Mafalama, à mon ami. Imam Mafalama, à ma main, prêtre Mafalama, cardinal Mafalama, archevêque Mafalama, à ma main, et tout le mérite pour ma bambéto. Et tout le mérite pour ma zéro courri. Et tout le monde fait que les gens sont les plus grands. Ils sont les plus grands. Ils sont les plus grands. Ils sont les plus grands. Quand les handicapés étaient sortis, les gens qui ont besoin de l'aide même de Dieu, l'aide de Dieu d'abord, quand ils étaient sortis pour réclamer leurs droits,
il y a eu les militaires qui sont partis saccager les militaires. Imam m'a fallu un mon ami parce que ma boulogne est imam. Mosquée fait ça, le roi, le roi. Il y a une mosquée brindera. Toromir, il y a une mosquée brindera. Imam m'a fallu un mon ami. Alpha Kondéra sort de Miri Kassarane. Il y a Koulou. La force des pauvres, la force des hommes faibles, c'est Dieu. Et les défenseurs de Dieu, les représentants de Dieu. Sembemi Tanma, il y a un moi, mi be. Relation mille et roi et mangebe. Mais l'imam, il m'a coro, c'est tarira, toromera, il m'a coro mangera. Si toi tu peux pas servir de pont de connexion entre les pauvres, entre les faibles et les privilégiés, il y a un nom de voilà pour qu'il y ait au moins équité d'esprit, il y ait aide divine, mais il sera perdu, il sera clara. Mais il y a un yaba m'entambe, à que, à l'imam ouen n'a rien fallu. Rawema. Que ma imam alamara t'entends l'anara, c'est quelqu'un qui peut pécher, il n'est pas parfait, donc il peut aussi faire des erreurs, mais que quand on voit les erreurs, quand on voit nos fautes, qu'on admette au moins nos erreurs et nos fautes, il faut pas continuer à mentir, parce que Dieu nous regarde, parce que tu ne peux pas dire devant Dieu, personne ne peut dire devant Dieu qu'on n'a pas entendu qu'il y a les gens qu'on tuait à balles réelles dans Bambeto, qu'on mettait les gens en prison. Les gens étaient empêchés pour leur liberté d'expression. Il n'y a pas ce Guinéen qui peut se taire dessus, sauf celui qui défend son intérêt, ou quelqu'un qui a accroché Alpha dans un radicalisme ethnique, ou quelqu'un par ignorance ou par subissement. Imam m'a fallu mon ami. Moutango m'a fait mes faits imamara. Mtoito, n'sigane n'a sa mangeto, moufrintegli. N'a rafle mangé, j'y n'a pas dit mon fan, mais il rafala. Aba mangé mi invité ami mo khon nga fema anana ra umuna wayi farak imam ya rab archevêque aka afé panga fala a presque alpha koné ne vous a pas invité pour que vous parliez pour les pauvres, pour les faibles. Alors umura wala ba, vous avez perdu à vos vocations, vous avez perdu à vos vocations. Vous n'avez pas besoin d'être invité par le président lorsque la majeure partie de la population pauvre qui contribue pour vous, qui vous respecte, qui brille d'ailleurs, hein, et t'en as seulement le rôle, parce que si tu es allé dans l'église, le rôle, alpha connaît seulement. Alpha connaît ce qu'il me dit, en serba ou bien, mosquée bien. Mais, c'est que tu n'as pas de Yama, continue à compter Yama. Mais la mosquée Faisal était l'une des meilleures mosquées de l'Afrique occidentale. Hein. Mais c'est un temps d'autorat sur Ongwen. Hôtel et non fatigue, mon son nom. Mosquée valeur, il m'a connu à Christian. Il m'a mis tidé, mais bien. Qu'est-ce que tu as fait pour la vie, alpha connaît m'a supporté. Tu n'as pas de subvention. Les gens qui restent inertes, calmes, il laissait Alpha faire ce qu'ils veulent, ils avaient des bénéfices. Imam Bara Yaba Moube, Alpha, foreigner fini. Quand il y a tout le monde qui a été invité, il faut inviter un foreigner dans ce qu'on a. Il faut 4-4 dans ce qu'on a. Qui viennent de l'argent sale, des impunités, des acquis du peuple. Et notre tongo est souri. Donc, tout le monde est souri. Nous sommes là. 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 Quand on parle de sagesse et quand on parle de la piété, ce n'est pas l'âge. Et ce n'est pas un simple titre d'imam ou un simple titre de prêtre ou de pasteur. Jamais. C'est le caractère. C'est le caractère et le comportement. Face aux moments difficiles, face au Richard, face au chef, face aux pauvres, être un point de connexion entre les pauvres et les riches. Donc, wafle imam be, amara wala bari. Wafle les religieux de la Guinée, emira wala ba. Ils ont été les complices des abus du pouvoir. Alpha kirim fimouya. Alpha malimanan ouya. Alpha mirinan asietima. Nana ni alpha nan sousa fin nindira bari. Kam alpha mouya baman. Donc, on doit savoir que les religieux guinéens, on est d'accord. Il y avait l'emprise du pouvoir. Il y avait les abus. Mais qu'ils acceptent, qu'ils ont cautionné tout ce qu'Alpha a fait. Mirimou tantam ma kirimma. C'est nous les hommes qui refusons, c'est nous les hommes qui évitons, c'est nous les hommes qui sélectons qui doit se soumettre aux normes de Dieu, aux commandements de Dieu. Est-ce que la Bible dit que la soumission aux lois de Dieu, que c'est pour les pauvres, que c'est juste destiné aux pauvres, c'est juste destiné aux faibles? Est-ce que la loi de Dieu, quand elle a été écrite, et dans les 10 commandements, dans la Bible, dans le Coran, on dit que c'est seuls les pauvres qui doivent se soumettre aux normes de Dieu? Donc quand quelqu'un est riche,
Tu n'es pas obligé de respecter les lois de Dieu. Quand quelqu'un a le pouvoir, il n'est pas obligé de respecter les lois de Dieu. Donc, ceux qui ont le pouvoir politique, ils sont plus que Dieu. Ils sont plus grands que Dieu. Imam Dundu. Ou Dundere Dundu. Ok, t'as mon nom de Dundu. Parce que t'en dois la manière à faire la mangebe. À la dengatana. À la rafiraba. Quand nous mounons à faire des gaouiments, on peut comprendre. Mais n'a rien. N'exagère pas. Parce qu'une ouen. A mutoro mané muta na londi ko parce muta susane wende be imam muna mura on représente pas la mosquée, on représente pas l'église, mais on a osé parler là où on a parlé pe ke tangwen e pa mané no ke non de kan fala e kan mané no mais muto ni auto tan sodé mais plus de pané auto dé après auto plus de pané auto so wira auto ska wa ska campagne de père abadi ou no ma sensibilisation de la réconciliation abadi na sema konon di mu fala ta kanon di fala mangé be. Autant non, tu as réconcilié non de Moufalata. Vous pouvez réconcilier un pays où il n'y a pas de vérité, où il y a l'injustice. Vous avez cette possibilité. Ou vous pensez que dans le Coran et dans la Bible, c'est l'injustice qui est défendue là-bas. C'est l'injustice qui est défendue dans le Coran et dans la Bible. Alors, déshabillez-vous. Servez les politiciens. Ne servez pas Dieu. Parce que Dieu est juste. Hein. Dieu est juste. Et Dieu est bon. Dieu est juste et Dieu est bon. Dieu ne réconcilie que dans la vérité et dans la justice. Donc, ce n'est pas parce qu'eux, ils sont riches qu'ils sont des exceptions. Ce n'est pas parce qu'ils ont le pouvoir qu'ils sont des exceptions qu'ils ne peuvent pas se soumettre à la volonté de Dieu, au commandement de Dieu. Donc, « Itam mounoma, si c'est pas l'intama, Coran n'est à Bible n'est dans la Bible, ça existe. De respecter les chefs. Mais est-ce que ça a empêché Moïse de partir libérer les esclaves dans les mains de Pharaon, pour aller les enseigner la bonne nouvelle? Pourquoi Dieu n'a pas laissé les esclaves à la disposition de Pharaon? Pourquoi Dieu n'a pas laissé les musulmans à la disposition des mécréants? Pourquoi Dieu a dit de les retirer de là? Il fallait retirer tes enfants, les mettre dans la mosquée. Il ne fallait pas toi être partenaire avec ces politiciens qui avaient les mains sales. Disons-nous la vérité. Arrêtez de faire les interprétations sales de la parole de Dieu. Quand ça va à votre avantage. Mais ça ne partait pas à l'avantage du peuple, hein? Et le peuple fait combien de pourcents? 1% contre 99% de la population. Parce que tu ne peux pas dire qu'il y a plus de 2% qui bénéficiaient de Alpha Condé. Et les 99%, 98% qui se battaient, qui réclamaient leurs droits, qui réclamaient le confort. Le confort que toi tu as eu, vous avez eu. Vous avez eu des hectares de terrain. Vous avez construit combien de maisons? Vous avez reçu l'argent là dans les mains de Dieu ou dans les mains des politiques sales? Il faut nous dire la vérité. Ne pensez pas que c'est tous les Guinéens qui ont les esprits tordus. Nous, nous sommes alertés. Et vous ne connaissez pas Dieu mieux que nous. Vous pensez que être religieux, c'est quoi? Permettez-moi de revenir, je conclue rapidement sur ça, parce qu'il fallait que je prenne note pour parler à ça. Tu ne peux pas parler de religion si tu n'as pas la foi. Quand tu as la foi de Dieu, Dieu est devant tout. Et Dieu est après tout. Tu ne peux pas parler que tu es religieux, tu n'as pas la foi. Quand tu as la foi, il y a mani amane. Il y a mani amane. Non, ne parle pas, mais parce que tu as la foi de Dieu. Parce que tu sais que Dieu est l'éternel puissant. Quand tu as la foi. Mais quand tu as la foi, tu ne privilégies pas les hommes et léser Dieu. Ou léser les commandements de Dieu. Parce que vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi, c'est pourquoi vous êtes laissé emballer dans le jeu de la politique. Un homme qui a reçu la formation divine, dans sa sincérité, n'a aucune crainte de mourir pour la vérité. Quand tu as la foi, c'est ce rapidement aimé Garo. Non de raffinement. Parce que tu sais qu'il y a un autre monde après ici. C'est ce qui est enseigné dans la religion. Il y a un autre monde après ici. Tu n'incites pas à la violence, mais tu diras la vérité. Devant qui que ce soit. Parce que Allah n'a sembé dans son meilleur. Il n'a pas là. Allah m'a sembé son meilleur. Il n'a pas là. Allah n'a pas là. Maman, Dieu est vérité. Dieu est lumière. Donc la vérité, c'est la lumière des esprits. La vérité, c'est la lumière des esprits. Et le mensonge, c'est l'obscurité des esprits. C'est comme ça que c'est expliqué dans la Bible. C'est comme ça que c'est dit dans le commandement de Dieu. Donc le mot foi est un mot très important chez un religieux. Le mot foi, avoir la foi. Dans la Bible, c'est l'un des mots utilisés pour décrire, c'est-à-dire pour décrire l'attitude de l'homme devant Dieu. La foi, c'est un mot qui est utilisé pour décrire le comportement de l'homme devant Dieu. L'homme devant Dieu, c'est quoi? Quand tu es devant les hommes, quand tu parles, tu penses à Dieu avant de parler. Quand tu agis, tu penses à Dieu avant d'agir. Ça, c'est la foi.
Et c'est comme ça qu'on décrit un homme, un religieux. Parce que la religion, dans son ensemble, c'est une culture. Parce que chaque religion a sa manière d'agir, la culture des différentes religions. Mais la foi est au-dessus de la religion. C'est la spiritualité, la connexion de l'homme et Dieu. Privilégier Dieu dans toutes les circonstances. Donc, messieurs les leaders politiques, vous avez échoué dans votre combat. Vous avez failli à tout pour ne pas servir Dieu, vous avez servi les politiques. Donc, la foi, ça s'explique beaucoup. Par exemple, quand on parle sur les chrétiens, on parle de la foi chrétienne. La foi chrétienne, par exemple, quand on parle des catholiques, on parle des orthodoxes, on parle des protestants, on parle des évangélistes, ce sont ceux-là qui parlent de la Sainte Trinité. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une croyance des chrétiens. De ce sens, il y a d'autres chrétiens qui pensent pas à la Sainte Trinité. Mais on peut m'en faire yabadi. On peut m'en faire yabadi l'onde. Permettez-moi, donnez-moi une chance, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Permettez-moi, parce que j'expliquerai ça la prochaine fois aux chrétiens, parce que c'est important, ça c'est le côté chrétien, je vais expliquer ça après. Parce que quand on parle de la foi chrétienne, il y a autre aspect. Parce que la foi exprimée de manière synthétique dans les différentes versions du credo, ça c'est chez les chrétiens. Je crois que, et le credo c'est ce que je crois, c'est la foi, c'est le latin. Et le credo aussi, dans la Bible, hein, chez les chrétiens, a deux versions principales. Bon, je reviendrai sur ça, et je vous expliquerai les deux versions, c'est-à-dire le symbole de Nicée, Constantinople. Et puis, il y a aussi l'autre version qu'on dit, le symbole des apôtres. J'expliquerai ça, on reviendra sur ça. Mais je vais revenir dans le cadre des religieux. D'abord, un religieux, c'est quoi un religieux? Un religieux, c'est une personne qui pratique sa religion avec foi. Un religieux, c'est une personne qui pratique sa religion avec piété. Un religieux est quelqu'un qui est tourné vers la spiritualité. Et un religieux est quelqu'un qui est tourné vers l'esprit de foi. C'est quelqu'un qui est empreint de gravité. C'est quelqu'un qui est empreint de gravité. Vous savez de quoi? C'est quelqu'un qui lutte contre tous les abus des hommes, qui lutte contre les injustices, qui lutte contre les immoralités, qui lutte contre la perte des institutions civiques, qui lutte contre la perte des vertus sociales. Ça, c'est un religieux. Un religieux reste dans le cadre de la culture. Et il parle toujours de la bonté et de la beauté de la vie. Mais c'est-à-dire un esprit réconciliateur. Mais un esprit de repentance, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du péché, du mauvais, un religieux essaie de bannir cela. Mais quand tu vois le mal, c'est-à-dire tu entends, il y a 300 et quelques personnes qui sont mortes contre le troisième mandat. Il y a des gens qui sont abusés, les familles divisées, les gens en prison, il y a les tueries, on entend tout ça, et qu'un religieux que tu es, tu dis que bon, tu ne parles pas dessus parce que tu n'es pas invité à parler dessus. Tu as perdu ta sagesse, tu as perdu la grâce de Dieu. Parce que comment on peut recevoir la grâce de Dieu quand Dieu n'est pas content de nous, quand Dieu n'est pas satisfait de nous? Alors, Elage, un religieux, c'est quelqu'un qui invite à une attitude de respect, une attitude de recueillement, une attitude d'amour, une attitude surtout de vérité et de justice. Et je vais vous poser la question, Elage, est-ce que vous pensez que Alpha Condé faisait un travail dans la justice? Est-ce que vous pensez que toutes les promesses que Alpha tenait devant le peuple de Guinée à la télévision, il respectait ses promesses? Est-ce qu'il disait la vérité?
Est-ce que vous pensez que les ministres, les responsables de Guinée étaient des personnes sérieuses, des personnes crédibles à votre vue? Aujourd'hui, Alpha est arrêté, il est vivant. Est-ce que vous êtes d'accord que Alpha était un bon président? Si Alpha vraiment méritait, alors dites au général, au colonel Doumbouya, que Alpha ne mérite pas quitter le pouvoir. Il ne faut pas dire que Dieu a demandé à ce que Mamadi Doumbouya soit président. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est par décision, par comportement que les Guinéens ont désavoué le comportement d'Alpha Condé. C'est par coup de meurtre contre Mamadi Doumbouya que Mamadi Doumbouya s'est rappelé, il a pris l'arme, il a repris le pouvoir. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu ça. Dieu demande à Mamadi Doumbouya de faire décemment son travail, d'être sincère dans ce qu'il fait. Et Dieu vous demande de le conseiller pour faire le bon travail. Le même conseil que vous avez manqué de dire à Alpha Condé, il ne faut pas aujourd'hui encore. Donc si Mamadi Doumbouya aussi commence à tuer, à abuser, vous les religieux, vous n'allez pas dire la vérité à Mamadi Doumbouya aussi. Alors ce n'est pas religieux ça. Vous n'êtes pas crédible pour être religieux. Parce que si Mamadi Doumbouya, colonel que moi je supporte aujourd'hui, il commence à faire quelque chose qui ne va pas à l'avantage du peuple de Guinée, moi Jean-Lou Koumbassa, je dirais au colonel Mamadou Doumbouya, ce travail-là n'est pas bien. Il faut changer ça. Je vais le rappeler parce que on est religieux pour rappeler les personnes qui manquent le chemin de Dieu. C'est pourquoi on est religieux. Nous sommes des rappels. Nous sommes des rappels. Parce que le pouvoir use l'homme. Quand quelqu'un a le pouvoir, il est entouré des personnes mécréantes, il peut perdre le chemin. Mais s'il perd le chemin, c'est quoi la place d'un religieux quand on voit les chefs politiques envahis par la richesse et par quoi? Quand ils perdent le chemin, s'il ne leur dit pas la vérité. Il faut attendre qu'on vous interpelle, qu'on vous invite. Si on ne vous invite pas, vous allez laisser Mamadi Doumbouya aussi faire n'importe quoi en Guinée, vous n'allez jamais lui dire la vérité. Vous n'êtes pas un bon religieux alors. Il faut qu'on dise cette vérité. Et là, je doundou. Et là, je doundou. Parce que nous aussi, on a appris la religion. C'est pas on est en train de vous faire venir, non. On vous respecte. Et on va continuer de vous respecter parce que vous n'êtes pas saint. Mais quand une erreur est faite, des fautes sont commises, qu'on assume les fautes et les erreurs. Et qu'on avance, qu'on tourne la page. On n'a pas besoin de se justifier. Parce qu'en vous justifiant, vous allez aggraver le mensonge. Vous n'êtes pas obligé de vous expliquer. C'est pas grave. On a fait bête à Fanyoukui. C'est ce qui est important. Donc, hélas, Doundounama, nous, on n'a pas besoin de ça. Parce que, hélas, Salifou, Kamara, premier imam, car Alpha Condé au Bignan, à Mosquée Faisal, on a Rakouya. Mais combien d'hôtels ont été construits en Guinée, en si court terme de temps, des milliards dépensés pour les hôtels. En plus, il fallait faire le Ramblin, vers les rives de Conakry. Et ça, tout ça, ça l'appartient. C'est l'Arabie Saoudite. Ce sont ses invités. Donc, et la moitié Faisal, vous êtes premier imam, vous n'avez même pas où travailler. Ça devait être votre problème. Durant tout le mandat de Alpha Condé, insister pour qu'on construise la mosquée Faisal. Mais 11 ans, vous n'avez jamais réclamé. Mais vous avez eu combien de plantations, combien d'hectares de plantations en 11 ans? Combien vous avez gagné en 11 ans? Mais et la mosquée? Vous avez privilégié vos poches et vos images. C'est ça la vérité. Donc moi, quand on me demande aujourd'hui qui je veux être, je choisis aujourd'hui comme ministre, parce que si la Ligue islamique est politisée, ça n'a pas de sens. Quand maintenant, on ira à Mansour Fadigarli, Wallahi Billahi, il y a Mansour Fadigarli qui a su gérer et qui est encore là, quand on a lu des vieilles, il y a Maman Gbelin, à Rawalima, où on va demander l'âge Yali Kamara, parce qu'il a défié, il a refusé le troisième mandat, il t'en fallait tomber, il n'est vraiment fait maire. Il n'est vraiment fait maire. Il n'est vraiment fait maire. Pourquoi m'a fait là? Parce qu'à la barre, c'est vous qui avez dit encore aux journalistes. Il ne fallait pas répondre. Hélas, il ne fallait pas répondre. Mais alors, ça s'est fait. Il y a eu le troisième mandat. Il y a eu quatrième république. Il y a eu une constitution changée. Le troisième mandat a continué. Et alors, est-ce que ce que vous avez promis aux journalistes, vous avez répondu à ça? Non, ce n'est pas le moment de parler. Donc, on a fait le gnéki. On a brayé, il m'a mis dans le gnéki pour aller à on attendant. Alors, on a un brimbe. On brimbe pas à la main. On a un bourre à fin. On a un bourre à bourre. On a un bourre à tantani pari. On a un bourre à corriger. C'est ce qui est important. Mais il n'a pas fallu bé. Il n'a pas fallu bé. Il a pas fallu bé. Il n'a pas fallu bé. Tout le monde peut ignorer tout le monde. Mais puisque la Guinée, c'est un patrimoine national, c'est pour nous, c'est un bien commun. Faut on a la Guinée à non d'en faire. Car Mara, on ne peut pas vous en faire. Quand un président faillit, on fait des écrits. Mais Mérine Nawonyamado, quand tu écris, et ça n'a pas dit, moi, mes rafi roma, filanka foule, le mot, on bourre, non, je ne fais pas de moi, ma salle. Donc, au maïma, même non, non, de falade,
les personnes les plus sensibles à être écoutées par le leader politique, s'ils se taisent, ils prennent, c'est-à-dire, ils jouent à la neutralité, ils jouent à l'ignorance. Mira est enfant. Peta Masaramadi. Ka alara ouenu palama sietare, non di palama sietare nantumbe. A palama sietare nantumbe, di moufang. A palama sietare nantumbe, di walina ya moufang, kaira ba moumousale men furima, y feigna an enfant et do, kobri kainta nan palama natambe. Mange nan palama mange tambe. Au religion ya mena, que Alpha devient l'imam mena de la Guinée. Il devient maintenant le révérend, le chef des religions en Guinée maintenant. À la mona pas la renéquité. Donc on en a ouen l'onex. La vérité, c'est la vérité. Ça va blesser qui ça blesse. Moi, je m'en fous. Mon nom dit Allah Kraman, rentre à faire l'onex. Maintenant, que longtemps, à la nere, à ou n'a pas ou ma religieux, il ratique la fin de Roma. Il ratique la fin de Roma. Il parle de la Guinée à tantan. Oulé barbou ouen, Fénard barbou ouen, Nien barbou ouen, Bandia barbou ouen. C'est-à-dire Karamou barbou ouen. Et t'en a Karamouti. Puisqu'ils ont le pouvoir, ils sont riches. Quand ils vont devant les maisons de ces imams-là, on fait sortir les plus grands, c'est-à-dire Coran, on passe leur temps à lire la Fatiha pour eux. Eux, on les bénit tous les jours. Les petits voleurs qui sont victimes de la mauvaise gestion du pays, qui sont victimes de la mauvaise éducation, c'est-à-dire non soutenus par le gouvernement, ce sont ceux-là qu'on décrit et qu'on rejette devant les maisons de Dieu. C'est leurs innocents, ça. Quand quelqu'un devient voleur, il y a une source par rapport à ça. Ils ont besoin d'un encadrement. L'éducation principale de la Guinée est perdue, primaire est perdue, parce que autant que vous dites, on n'est pas la maçon. On n'est pas la maçon. Quand un malfait, un Richard, a dit que c'est un rabbi, c'est un rabbi. Il ne m'a pas dit que c'est un rabbi, mais c'est un rabbi, il ne m'a pas dit que c'est un rabbi. Combien de personnes sont en prison aujourd'hui? Il n'a pas dit que c'est un rabbi, c'est moi. Tu manques, tu dis la vérité et ça rabbi. C'est permis. Alors, il m'a fait un monocolo. Le deuxième aspect, je suis en train de parler aujourd'hui des prix de loyer. Je m'adresse aux commerçants. Aujourd'hui, on danse. La Guinée danse, que la Guinée est libérée. Mais religieusement, Haramouinara, un intérêt exorbitant, fait ses paris. Mais tout ça parce que il n'y a pas de justice en Guinée, il n'y a pas de loi en Guinée, il n'y a pas de contrôle. L'État, l'institution est très faible, l'État est très faible. Non, Falamou Bé. Kouama, la Guinée Rayala. Touma Falam Alpano en PCF, ou à commerce. Ouma Falam Alpano en PCF, Djikima. Alpha Mounabé Togo. On veut aider le nouveau régime, on veut aider pour que la Guinée change. Non, Falamou Bé. Vous, les concessionnaires là. Wande Bouabdira. Et peur de Dieu. Les vendeurs du riz, de tout ce que vous avez, des aliments là, diminuez les prix. Ayez un esprit de Dieu et pensez que vous devez faire des sacrifices. Il y a qu'on a manga ou la Guinée, ou Moussel Rebama. Il y a tout le monde. Sungori Nali, si il venait s'arrêter, au moment où on doit faire des sacrifices pour recevoir la bénédiction, c'est en ce moment où on se fait du mal. C'est en ce moment où on est méchant. C'est en ce moment où on prend de l'intérêt. Les gens qui ont eu la chance d'avoir une maison, deux maisons, trois maisons, quatre maisons, des châteaux, diminuez vos loyers. Aidez le peuple, facilitez la vie paisible. C'est pourquoi aujourd'hui, quand Fika Guéribre, il y aura un magasin dans le Kanama. Il y aura un magasin dans le Kanama. Il y aura un magasin dans le Kanama. Quand la cohabitation est décente, quand il y a la fraternité, il y a l'amour dans une où vous êtes, l'environnement, vous êtes dans les étages élevés. Devant vous regardez en bas, vous regardez l'eau puant de passer. Vous avez les moyens de faire tout ça. Vous ne le faites pas. Ça fait pitié. Ça fait pitié de telle sorte que quand on va à la sous-région, la Guinée, les ministres, les directeurs, ils viennent Sierra Leone, Libéria, Sénégal, tout ça. Mais est-ce qu'on va au Sénégal, leader politique, tout, ministre qui est venu consulter en Guinée? Vous avez vu un leader politique léonais, Guinée-Bissagos, ou voisin qui vient investir en Guinée? C'est nous les Guinéens. Guinéens qui partent investir ailleurs. Vous avez vu un Américain venir acheter une maison en Guinée, un Français? Non, ils viennent nous utiliser, nous manipuler, prendre leur argent, ils s'amènent chez eux. Pourquoi le retour au bercail n'est pas salutaire, n'est pas paisible, n'est pas aimable? La fuite de cerveau. Parce qu'il y a un problème en Guinée, nous aimons vivre dans les prétentions. Au moins, on est vraiment bourré. Il me dit tout, ma faute est à. On est vraiment bourré. On est vraiment bourré. Faut état, tu vas compter du bout du doigt un Guinéen qui va aller payer un téléphone iPhone sorti d'usine à Nenéyon 12 Plus.
12 plus. Il m'a dit que la galaxie dernière usine, il m'a dit. Il n'a tout la guinée caillou y a la faute. On a fallu bête la guinée caillou à ton goût de nana. À ton mais à s'arriver, mais de il m'a la guinée canon tombe dans ce gamin. Il y en a, mais avec une exception extrême. Non, sous un masque grâce à iPhone, ça a un énergie cash pour t'état. Non, ce gamin, ça auto, ça a un énergie cash pour t'état. La guinée auto, mon tombe de là. Il vient de s'amener cash, même les petites filles. Les mineurs, ils ont iPhone, nene 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 nene. Vous savez, on aime vivre des prétentions. Namu onira, onana masema. Namu onna, onana masema. Vous voyez les gens s'exhiber, s'arrêter devant les lieux luxueux. Ina Charles qui faut état, ina gouvernement banque qui faut état. Vous les parlez, mais banque ina ya. C'est-à-dire, le Guinéen ment à sa conscience. Dieu le regarde, il se ment. Il ment devant ses enfants, il ment devant sa femme supporte ses mensonges. On vit du faux, très spécialement du faux. Pendant que quand on a quitté en Guinée, je suis venu une fois, j'ai un ami qui m'a donné de l'argent. En Asoumbrine de la Guinée, j'ai appelé le petit pour venir chercher de l'argent. Le mon ami en question, Taakolo, très difficilement, il a 100 dollars, tu comptes 100 dollars. Son petit prêt est venu prendre l'argent dans mes mains. Enfin, autour, non, oui. Il travaille au ministère de l'agriculture. Et ben, mon ami m'a dit non, il faut que tu sois là, il faut que tu sois là. Mais il faut que tu sois là. J'ai appelé mon ami et je sais que mon ami là, toute sa vie, a cobré une pénale à sa manière. Mais le petit conduisait une voiture que son frère ne pourra jamais conduire ça aux États-Unis. Le petit est habillé d'une sorte que Anatara, que je connais, je ne connais pas la Guinée. Pour venir impressionner, mais mon amour m'a tombé d'Amérique. J'ai appelé mon ami, j'ai dit mon ami. Avoir vécu en Guinée, à un certain moment, ces derniers moments, j'ai compris que on a voulu faire la Guinée de Kambé. Les Guinéens vivent à un niveau, on est responsable de notre échec. On se tue pour les gens qui ne connaissent pas nos problèmes. Parce qu'on ne leur dit pas comment on vit. Parce que quand je lui ai demandé, petit, ah, il s'est aidé. Toi, tu es plus grand que je l'ai chahuté, tant tu es mieux que ton frère. Il dit, tu as un naïra. Excuse-moi, hein, je ne dis pas le nom, excuse-moi, mon frère. Comprends, c'est un conseil. Il est autour de la guimée, tu as un régime. On se ment. Et quand on vient, les faux types. Les faux types de l'Occident qui font des prétentions, tu n'as pas mis pour Mandao. L'échec de la Guinée, ce n'est pas le gouvernement. Hein. C'est la ressource humaine. C'est nous. On voulait n'arriver pas à mon bourreau. Donc, je me suis rendu compte que ce que je n'ai pas compris, j'ai compris. Mais les personnes sérieuses, responsables, n'ont pas occupé mes radis, mes guémas, n'ont pas gagné mes tongos en charge, et mon étoile n'a pas été bavé, mon étoile bavé. On se connaît. Mais il suffit juste de voyager, aller dans la communauté, il va falloir qui est qui. On ne sait même pas comment ça se passe. Donc, au Togo, $2500 le loyer. C'est de la foutaise. Le niveau, le PNB du Guinée ne nous permet pas de vivre comme ça. Nous demandons à CNRD de faire face à cette situation. Le prix du riz, le prix de l'huile. Dictature Yahamara. Mais l'État doit contrôler ça. Laissez-moi vous dire, ce Couturi, vous allez tout dire, et beaucoup de personnes vont refuser ça parce qu'on le prend pour tel. Ce Couturi, dans son temps, il y avait la justice. Il n'y avait pas ces impunités comme ça. Dis-moi, on a un tour de maïki. Alpha Ratan. Dis-moi, on a un tour de maïki. On a un tour de maïki. Mais il y a un manqué. Il y a une discipline. Il ne faut pas qu'on perde notre culture. Il y a un certain mois de la vie, ne perdons pas notre culture. Il va falloir que c'est la dictature, mais je n'embrasse pas une démocratie dans ce sens avec les immoralités. Il faut qu'on condamne, il faut qu'on punisse les gens qui le font. Laissez-moi vous dire pourquoi la charia est importante. Kaya kolon munyeti ba ka bolo men munyeti ma. Kaya kolon ko ini nyene ya rabay ni shugo yema gono men fare munyene ya rabama. Ya les lois, je n'ai pas dit qu'il faut pas diminuer, libérer un peu les choses, mais pindinana, il faut que la dictature rentre dans ce pays là.
pour qu'on discipline les Guinéens. Parce que, au temps de Kouché Koutouré, on était vraiment discipliné. Conté, dans son humilité, a voulu faciliter pour que puis la liberté soit. Mais il y a eu le libertinage à la place de la liberté. Les gens se sont permis de tout faire. Comment il faut rendre hommage à Sékou Touré. Il faut rendre hommage à Sékou Touré parce que nous, on a eu notre éducation primaire avec le régime de Sékou Touré. Et on en est fier. Parce que tu prends un cadre de Sékou Touré, même si il est sortant de la 6e année, tu le compares à un cadre aujourd'hui. D'abord, l'esprit de citoyenneté et de patriotisme est enseigné au temps de Sékou Touré. Aujourd'hui, le Guinée même ne sait même pas changer l'hymne national. Et n'a pas connaissance à être patriote ou être citoyen, bon citoyen. Donc, on demande à Mamadi Doumbouya d'apprendre de Sékou Touré à Alpha Condé et de mettre les principes. Quiconque faille au principe là, il y a un combi. Allez, tourne Alpha Nga combi manex. Il m'a donné combi ma guinée combi là. Et celui-là, il y a guinée combi ma guinée combi là. Non, il y a quand il rentre en Guinée, il faut le foutre en prison. On a eu l'un. Parce qu'au temps de Alpha Condé, les vagabonds donnaient de l'argent aux vagabonds pour injurer les gens qui parlaient. Quand on fait un débat d'opinion politiquement, on ne prend pas ce débat-là, on met dans la rue. Tu honoreras ton père et ta mère. Si tu ne peux pas débattre politiquement, tu ne peux pas utiliser ton intelligence pour débattre, pour déjouer quelqu'un, pour donner des contre-vérités. Tu ne peux pas porter atteinte aux parents, aux femmes très spécialement. On a perdu notre culture, on a perdu notre éthique. Donc je demande à Mamadi Doumbouya, quiconque fait dormir avec Mamadi Kombima, il m'a dit comme je te parle d'injure. Vous devez dire qu'il ment, dites tout ce que vous voulez, mais injurer père ou mère, injurer une descendance, injurer toute une communauté, ces personnes-là méritent d'être emprisonnées en Guinée. On est sur où? Oui, croyez bonbon. À un moment donné, faisons retour à la loi de l'Ancien Testament et la loi du Coran. Parce que ma culture, Amma Sarama. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on emprunte une culture qui ne nous appartient pas. Donc, on a besoin de donner du temps à Alpha Condé, à Mamadi Doumbouya. À la Guinée Ronka, on a porté la Guinée combinée, les réseaux sociaux, les réseaux combinés, les réseaux sendements. Il y a des mais les réseaux combinés, il faut qu'on punisse ça. Je ne parle pas contre les gens qui injurient. Je suis désolé, je ne suis contre personne. Mais qu'on se respecte, qu'on respecte nos mamans. Ce n'est pas salutaire, ce n'est pas aimable, ce n'est pas acceptable. Parce que moi, j'ai ma part à dire pour ça. Et c'est pour qu'aujourd'hui, même si moi je suis président de la République, je suis un peu comme ça. Parce que non, mais Faradi, parce que ça ne se fait pas. Il a été un gabinia, il m'a été un gabinia. Il a été un gabinia, il faut considérer cette vérité. Donc je vais revenir sur ma position. Parce que nous sommes au fait dans le cadre de la Guinée. Friaké n'est pas là. Je m'achante sur Abakar Marissa. D'abord, Friaké n'est pas là. Vous le connaissez où, Afria? Qu'est-ce qui représente Marissa pour vous, Afria? Je n'ai pas dit récemment, hein, qui a un souvenir avec un parent de Marissa Afria. Ne confondez pas Tormeling, les autres, là, Afria. Afria, c'est l'usine conçue. Les parents sont venus, on a créé une cité pour recevoir les employés de l'usine. On l'a déjà logé. Afria, la cité Afria. Quiconque a une expérience ou à un souvenir avec Marissa, qu'il m'écrive en inbox. Mais qui n'a pas de souvenir avec Jeannot ou le père ou la mère ou les frères ou les soeurs? Faut qu'on arrête d'être lâche en Guinée. Arrêtez d'être lâche. Quand on a quitté chez un ami, j'étais avec Bambo Simakan et je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il va m'envoyer les photos. Il est né mon nom Ofria. Politicien, tu nous voulais ma femme. Je j'étais pressé. Je venais voir ma mère et puis je suis reparti. Je partais. C'était un événement, un moment de fête. Donc je vois une Ofria. Ils ont fait le tour de Ofria. Le préfet a fait un truc. Ofria a nettoyé. Le lendemain, j'étais là-bas. Les lieux qu'on a nettoyés, c'était encore sale. J'ai fait un poste. Que c'est vraiment ridicule et c'est méchant de dire au président de la République que Fria est propre, qu'on fait des actions nobles à Fria pendant que Fria est sale. Mon enfant n'y était affirmé. Moi, je n'ai rien à foutre avec ça. Mais n'a pas la Fria finalement. Fria qui caille pas la fille. Fria qui a avantage, Fria qui a honneur. C'est moi. Je ne suis pas obligé, mais c'est ma vocation, c'est ma conviction. Nous avons fait la Marie qui est encore nana, préfère nana.
na pour la frère fait na ma aura ira fait ma nta nga ira fait ma parce que nta nga mon caméra mba mon caméra nta nga bile mon caméra pour consoler mes amis que je connais pas mon caméra na pour la frère fait na ma nta nga na fala. On vous a menti et on continue comme ça, on continue à vous mentir. Abakar Makissa, directeur national des impôts, qui a pensé que Fria est son patrimoine. C'est ce moment Fria Moudengatama. Ça n'avait rien à voir avec la campagne de caravane qu'on organisait. Abakar Makissa met sa main dans sa poche. 2 000 euros. Arasamba Vakabomma. En arrêtant de sortir, alors qu'on a bafoué la critique pour que le terrain soit praticable pour lui. Et c'est que réseaux sociaux, je parle de votre maman, Mami Odile. Nous avons une manga comédie. Nous avons une éducation. Et un gars sortir, j'allais déshabiller ma mère sur les réseaux sociaux par le canal de Abakar Makissa. À ton arabal, les gnecaf, il y a Kabila Tone. Autant de gens qui ont été mato. Si vous êtes proche d'Abakar Makissa, vous êtes parti de Abakar Makissa que emula me ranga kombi, emula me fria di yonga kombi. Quand on dit que piscine mo fan fria, cinéma mo fan fria, fria mo nogori, hôpital mo nogori, il est canari. Si j'ai dit ça, s'il a le sentiment de construire fria, alors il se remet à la tâche pour réaliser ces œuvres là. Mais quand j'ai dit quelque chose qui est vrai, que vous savez qu'il y a la prostitution à Fria, que vous savez, que vous témoignez, les gens sont devenus des mendiants à Fria, que vous savez, que vous témoignez. Attends, je vais vous dire 2000 dollars quand tu as un gars sur toi. Ou tu as un gars qui est un gars, quand tu as un gars qui est un gars. Quand tu as un gars, ou tu as un gars qui est un gars, ou tu as un gars qui est un gars, ou tu as un gars qui est un gars. Quand tu as un million de dollars, tu as un gars qui est un gars. Abara nesini ndi fiwa mirinde ma ou ala masini ndi fiwa tama na fina nya mo nyongo mas il a le droit à rentrer en gars soto pour une vérité. C'est un politicien moraliste. Quand je vois quelque chose, je dénonce. Je dénonce pour l'intérêt de frère, pas pour mon nez. Pisini benara ka frère benara mba benara aba mon frère nga mon frère am accès mon frère. Il n'a aucun souvenir. Moi qui ai le souvenir avec vous, mon père, ma mère, mes frères. Vous vous mettez dans un cadre. Vous vous mettez dans un cadre, c'est-à-dire pour insulter ma mère, au dos, il était ça à l'innocence. Vidéo, il n'y a rien. Et bien, Jeannot, comme dit, écoute, Jeannot n'a rien fait de mal. Il ne faut pas vouloir faire un Jeannot a fait ça. Jeannot a dit quelque chose que Fria réclamait. Tous les enfants dignes de Fria réclamaient ça. Tous les enfants dignes de Fria veulent un changement. Fria au monde de Péchiné n'a rien à voir Fria aujourd'hui. Et Russell n'est pas le problème. Russell s'acquitte de son droit. Russell s'acquitte de son devoir. Il donne, Russell donne tout à l'État guinéen. L'argent des milliards que ces gens reçoivent, ils en font à leur gré. Ils prennent des petits millions pour venir distribuer aux vagabonds et aux petits pauvres pour vous manipuler, pour acheter vos consciences. Vous dites qu'ils sont gentils, ils reçoivent des milliards. Si vous n'êtes pas cultivé, vous êtes un peu plus de temps. Vous êtes un peu plus de. Parce que ce criminel est capable de tout faire. Mami Odile, il est un peu. Donc, Fria, qui est un peu, je ne vous écoute pas. Moi, Fria est indissociable dans ma vie. Parce que je suis un peu plus de. C'est indéniable. Donc, Moutan, on a un lien éternel avec cette ville. Mais il y a un frère qui est là. Mais il y a un frère qui est là. Et par quel frère fait ? Ils n'ont aucun souvenir, ils n'ont aucun souci de revenir à Fria. Alors, nous, nous voulons que Fria soit rebâti. Parce qu'on est imposé de revenir dans cette ville. On est imposé. Donc, Fria dit, il dit, oui. Mais Fria dit, il n'y a pas de Fria. Il y a des gens qui ne pensent même pas. Ils n'ont même personne à venir saluer à Fria. Mais nous, on est imposé de venir à Fria. On est imposé de venir à Fria. Donc, je parlerai de Fria à qui veut l'entendre. Et je ne demande pas l'invitation de quelqu'un ou l'accord de quelqu'un pour parler de Fria. Je suis l'aigle de Fria, le lion. Et même si c'est le colonel aujourd'hui que j'invite à venir voir la situation de Fria, parce que, usine Tourabiri, il n'y a pas de syndicat. Personne n'a aidé à Fria. Personne n'a supporté à Fria. Nous, Fria, 14 ans, on est en train de se faire. Nous,
qu'on crée des structures qui vont innover cette ville, par effet mon anana, qui vont c'est-à-dire promouvoir les hommes balais de Fria, les cadres de Fria, pour que l'usine de Fria reprenne encore son humeur d'hier, sa joie d'hier. C'est ça que nous voulons. Mais j'ai mes amis, parce que Marie c'est qui, ou parce qu'ils sont du régime de RPG support, Narantanga Soto. Vous méritez quoi pour me conseiller? Sur la vérité, je n'ai pas dit vous mentir, hein, sur la vérité. Parce que je te supporte pas. Mais qu'est-ce que Jeannot dit concernant Fria qui est faux? Si c'est faux, allez-y dans mon inbox. Quand c'est faux, je me corrige. Je demande pardon. Moi, je ne suis pas parfait. Mais ce que je connais de vrai, que vous connaissez de vrai, Kaota Falama. Derrière le mur que Jeannot a dit publiquement, où est la différence? Qui ne connaît pas que Fria est abusé de tout? Aujourd'hui, encore ce même cet homme-là, il ne veut pas céder. Hein? On a à la barre Magirisso. Il est en train de continuer. Ses enfants continuent à insulter à distance. Mais tant que, je te dis, tant que le monsieur, est-ce qu'il a demandé pardon? Il est plus élevé que mon père. Attends, qui s'arrête à ma mère, dit-il, ben, autant Fria qui? Il a demandé pardon à ma maman. Nanga combine le rokere. Il est qui pour que vous le supportez, que vous acceptez que continuellement, et puis il reste comme ça. Lui, il est qui? Parce qu'il est qui? Il est Marissa. Parce qu'il est directeur. Parce qu'il est riche. Mais attendez, mais il est qui? Donc autant, quel est l'attachement que vous avez à l'endroit de vos mamans? Combien de fois vous respectez vos mamans? Donc autant rimole bi nomu ngap ko mi ka kobre na yira ou be mangena ra. Si vous n'êtes pas digne, Jeannot Koumba c'est digne. Alors le monsieur là, anana baiki, je lui ai dit, je vais le suivre jusque dans sa tombe. La seule chose qui me permettait de laisser ce monsieur là, il a la solution. Mais tant qu'on a fora, ka pelige te ko kobre no mangena ma mbra ma fora fini ko bere la Guinée. Nta mo gine mu nyong so ndesi ngede. Parce que quand tu combi ti fabe. Quand tu en Amérique préfinancé fi, ni sa campagne là-bas France. Et pour déjouer le régime de CNRD. Monsieur le Président, Colonel Mamadi Doumbouya. Abaka Marissa a encore payé les gens de Grec en France pour faire une marche. En yon que les Français vont écouter pour déjouer le pouvoir de CNRD. Il est en train, quand tu parles de films, ils sont partis là-bas. Eux encore, ils commencent à dire que Kuntigi, au moins Kuntibi, à l'air Serona, qui n'est pas le seul Kuntigi, là, qu'il y a deux Kuntigi en Guinée. Oui, Fim peut dire ça. Parce qu'il était là-bas avant-hier. Fim. Il est le promoteur, il est le financier de film. C'est-à-dire les prostituées journalistes là. Les prostituées journalistes, les partis, les voix. Ces gens-là disent que Alain Kuntigi n'est pas le seul Kuntigi de la Guinée. Mais la basse Guinée, dans son ensemble, dit que le Kuntigi de la Guinée, c'est Alain Serona. Mais puisque lui, il est en pro avec Alain Serona, il part encore à film pour venir déjouer l'union de la basse Guinée. Et pendant que Alpha vivait, il disait encore à la basse Guinée, c'est où on a prêté, où on a mangé à manquer Ira. Ce monsieur-là, quand il n'y a pas de yoga, il n'y a pas de position, il n'y a pas de canapé. Il faut que tu aies un peu de temps. L'usage de l'argent était des bonnes choses. Mais tu achètes les fesses, tu manipules les gens, tu promets, tu prends les dettes partout, tu abuses des gens, tu penses que parce que tu avais un poste politique, tu as un homme Jeannot Nagaoudi. Jeannot n'est pas comme tout le monde. Et Jeannot n'a pas besoin de conseil de quelqu'un qui ne veut pas défendre la vérité. Je n'ai pas besoin de conseil de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, quand mon mari s'est rendu à la fille, appelez mari, c'est dites-lui, on a pas ramé au fond. Quand sous son mari fait l'abbé, on a fait l'abbé, on a sous sa femme, t'as bien tangé, on a commencé à faire le mari, ça va ramener diète. Si vous êtes digne, on gabinia, on habille bien. Je vous dis la vérité, hein, autant ne rien n'a pas la madame derrière les murs. Quand vous êtes un gabinia, vous respectez toutes les mamans de la Guinée. Quand quelqu'un manque le respect à une maman, et parce qu'il le fait parce qu'il croit à son argent, ou il croit à son pouvoir, quand ça finira, j'arrêterai. Mais en attendant, on ne veut pas avoir un mécréant, un criminel, ici, dans la gestion de la Guinée. Vous savez, ça me fait très mal quand le Guinée ne comprend pas. Parce qu'en Guinée, qu'est-ce qui s'est passé? On a construit un criminel justice système. Un criminel justice système. Il n'y a pas de justice. Les gens qui ont l'argent, ils ont construit la justice à leur vue, à leur manière.
C'est l'argent qui fait la justice. C'est l'argent qui fait la vérité. Mais quand on se connaît, quand on se connaît, quand on se connaît, c'est normal, je vais faire de vous ce que je veux. Nous avons 17 ans, nous avons 17 ans, vous pensez que ça c'est normal? Moi je ne veux pas voir l'enfant d'un frère, d'un ami, d'une soeur être voué à une vie comme ça. Je ne veux pas. Si je vous aime, je ne fais pas ça. Est-ce qu'il vous aime? Est-ce que ça c'est ça l'amour? Mais on veut que nos sœurs, nos enfants, nos filles soient des filles nobles, dignement, fièrement qu'on les salue. Mais vous pensez que c'est par amour qu'elles vont? La facilité que les gens leur ont promotée. Tous les enfants maintenant se lancent dans cette facilité. Il n'y a plus d'éducation de base que nous, on a reçue de nos parents. Nous avons dit qu'on devait aller par évolution, par progrès. Mais on va par dégradation. On reste dans le silence. Au lieu de véhiculer les injures que les enfants de Marie s'envoient à l'endroit des gens, à l'endroit de tout le monde, vous êtes digne ou vous êtes indigne? Vous voyez la vérité ou vous ne voyez pas la vérité? Donc, on a dit que parce que jusqu'à présent, il est en train de préfinancer pour déjouer le régime de Mamadi, colonel Mamadi Doumbouya. Il est en train de préfinancer encore avec son orgueil supporté partout. Il est en train de continuer à utiliser son argent. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu nous unisse dans la paix, que la paix règne dans nos cœurs, qu'on comprenne qu'à un moment donné de la vie, il faut dire la vérité. Il faut défendre la vérité. Il faut oser dire la vérité. Je ne suis pas parfait. Mais ce que je dis, c'est contre moi. C'est contre tout le monde. Ok? Excusez-moi. Donc, que Dieu nous bénisse. Donc, ce n'est pas contre l'identité de Marissa, c'est contre le comportement. Et quiconque fait ce comportement-là, on accepte. Et on invite encore le nouveau préfet de Fria, mon oncle, Kalissa. Et sois très prudent. Parce que il a utilisé les gens à Fria. Il a financé les gens à Fria. Mais alors ali mamuta ni fang ayaba malorone. Parce que Fria fait tant. Natam falanoko. Parce que famille na nek bi labo ko lon Fria. Fria fait kobri fi ramara. Mangaya ramara. Umbrim Fria dina wona mbuyum fi sabur ba Fria. Mais non dina falama. Les Guinéens n'en sont mais Fria t'en sont. Donc j'invite tous les enfants de Fria à s'apprêter. Le motivateur viendra, on créera de confiance à Fria. On parlera de la situation de Fria. On prendra note, on organisera quelque chose pour que les gens partent. On a des tontons là-bas, on a des papas là-bas. Ils sont encore vivants, Dieu merci. Que Dieu leur donne bonne santé et longue vie. On leur donnera les dossiers. Ils connaissent Fria. Ils partiront voir le gouvernement pour parler pour nous. La culture du respect des âges existe chez nous à Fria. Mais nous allons motiver parce qu'on a l'énergie plus que nos papas là. Et pas d'amour. Nous, on a l'énergie. Et on va s'engager à le faire. On est en train de travailler dessus. On entraîne. Parce que quand je dis les noms, les cinémas, on entraîne. Tous les enfants de prière sont invités à se joindre à la structure Fria Mon Choix, Fria Ma Ville. J'insiste. Allez sur Facebook. Fria Mon Choix, Fria Ma Ville. Tu es enfant de Fria, joins la structure Fria Mon Choix, Fria Ma Ville. Il y a aussi la structure Kimbo Leader. On entend de parler des projets. Parce que tôt, tu n'as une usine ou non, c'est l'usine seulement qui est là. Non, on crée des projets, on parle et finalement, on crée des boulots. Mais avec la confiance, avec les concertations, avec de l'objectivité, on peut faire quelque chose après. Et Fria redevient le petit Paris d'hier. C'est pas une grande chose, c'est une question de conviction, c'est une question de volonté. Il suffit juste qu'on se donne la main. Nos frères travaillent à l'usine, misérablement rémunérés. Et comme ils me disent, mais c'est-à-dire, Friaké,
Ouagnédouin, parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Et ça se murmure qu'on est trop lâche, Afria. On est trop hypocrite, Afria. Et pourtant, ce n'est pas ça notre identité. On était des hospitaliers. Nous, on recevait tout le monde. De Zéro Corée jusqu'à Boké. Il y en a qui recevaient tout le monde. Donc, Yandi, revenons à nos moutons. Reprenons nos cultures d'hier, nos parents, nos papas, leur générosité, leur dignité, leur fierté, et leur esprit religieux. Reprenons ça. Le vagabondage que l'équipe là a promoté à Fria, Ominayama. La facilité, Ominayama. Ça vous fait mal. Hein? Mais si ma parole vous fait mal, ne partez pas à l'église, ne partez pas à la mosquée. Moi, je m'en fous. Hein? Je vous dis, mais je vous aime inconditionnellement. Et je ne veux pas que vous soyez abusés. Je ne veux pas que vous soyez manipulés. Parce que vous et moi, on est indissociables. Si vous ne me connaissez pas, je connais votre grand frère. Ou votre papa. Ou votre maman est liée à ma maman. Ou nos oncles sont liés. On ne peut pas. Mais on sait ce qu'on attendait son. Mes neveux, mes nièces ont fait les mêmes écoles. On ne peut pas nous séparer. Donc, croyez-moi, la maquille est là. Il n'y a pas d'attitude. Il n'y a pas de chance. 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 Mais je vais vous parler de la histoire. Je vais vous parler de la piscine. On est ensemble. 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 Parce que le gouvernement a la chance. Ce n'est pas tout le monde qui peut être directeur. Mais quand on a la chance, Fria ne sera pas son outil. Je ne sais pas si on est ensemble. Mais je vais vous parler de la Fria. Quand on est ensemble, aucun ami. Je le fais pour personne. On est politiquement contre le régime. Alpha, Marie, ça ne rêvait même pas faire de la politique. En ce moment, il était simple vigile en France. Moi, ça fait 18 ans que je décris. Ça fait 18 ans. Il ne rêvait même pas. Il ne rêvait même pas faire de la politique. Il était simple vigile en France. Il était dans une maison de 20 mètres carrés. Il n'avait rien. Rien en France. Il n'avait rien. La prospérité de Marie, ça commence quand? Ça ne dépasse pas 7 ans. On a essayé de faire prier. On a essayé de faire avant 7 ans. Ara Miribe, Ara Fouribe. Vous donnez-nous des trucs avec ça. Même si tu as un peu de que si Dieu te donne la chance d'être directeur national, tu feras mieux que Marie, ça d'ailleurs. Itan, toi qui parles contre ce que Jeannot a fait là, pour vous libérer. Toi qui parles, tu es à la place de Marie, ça. Tu peux faire mieux que même un vagabond qui défend Marie, ça aujourd'hui là. Un vagabond. Si on lui donne la place que Marissa, il fera mieux que Marissa Afrique. Il faut qu'on se dise cette vérité. Quand je vois des lèches-culs qui ne pensent que petit gain qu'ils ont à l'endroit de Marissa, et mon nom de parler Friaki, mais ils pensent que c'est ça être quand, autour des privilégiés. Moi, je me bats pour les non-privilégiés. Moi, je me bats pour les faibles. Je me bats pour les ignorants. Je me bats pour les pauvres. Je ne me bats pas pour les privilégiés. Si c'est pour les privilégiés, l'accès est glorieusement ouvert pour moi. Si c'est pour les privilégiés, moi j'en ai. Et je le dis avec fierté. Je le dis avec fierté. C'est les simples blogueurs qui prennent l'argent avec les ministres, avec les directeurs pour s'enrichir. Ce n'est pas un genre qui va manquer à ça. Donc soyons fidèles, soyons fiers, soyons engagés pour les causes nobles. De toutes les manières, avec Colonel Mamadi Doumbouya, la structure Fria mon choix, Fria ma ville, la structure est Kimbo Leader, la structure Charlu de Mohamed Lamine Camara, on a créé une fusion pour parler ensemble, pour travailler ensemble, pour aider non seulement Fria, mais pour aider les Guinéens. Vous verrez ça ici, c'est pourquoi je vous invite à venir avec la surprise, vous envoyer l'amitié. On commencera à vous envoyer le projet de Fria. Fria, la représentation que nous voulons voir demain Fria vivre. Alors que Dieu vous bénisse. Merci à tout le monde, que Dieu vous bénisse tous. Au Bénin. Allah santé a fait ouma, Allah a fait refaire ouma, Allah a fait refaire ouma, Allah a l'année soit vécu. Vous êtes dans un foyer où il y a un peu de problème. Que Dieu envoie son esprit dans votre foyer pour créer la quiétude sociale. Vous voyez, Fria, comment ça se passe. Vous voulez faire quelque chose, vous n'avez pas d'accès. Que Dieu vous donne cet accès, cette bonne relation pour que vous sortez aussi de cette situation calamiteuse de votre vie. Vous êtes malade, vous êtes détesté pour votre vérité, vous êtes rejeté pour votre bonne intention. Alors que Dieu soit à votre chevet. Pour vous donner un autre esprit libérateur. Aujourd'hui, on a eu un libérateur. On a eu un libérateur. Alors, accompagnons ce libérateur, Mamadi Doumbouya. Accompagnons-le, supportons-le, soyons vigilants. Si on ne le protège pas,
ces caméléons dangereux de très longtemps, ces caméléons qui ont des liquidités, ont toutes les possibilités de former d'autres petits clans, les mettre autour de Mamadi Doumbouya. Nous soyons vigilants et protégeons Mamadi Doumbouya pour protéger la Guinée. Prions pour Alpha. Ne souhaitons pas la mort d'Alpha Lomeri Negri Falamaneki. C'est un être vivant. En croyant, on ne peut pas le faire. Alpha a été dérouté. Mamadi peut être dérouté. Mamadi Doumbouya peut être dérouté si on ne l'aide pas. Alpha a été dérouté. Donc que Dieu fasse qu'ils prennent conscience, qu'ils comprennent, qu'ils regardent le film d'hier, qu'ils reprennent conscience, que s'il a quelque chose à donner à Mamadi, tu donnes à Mamadi pour nous. Ok? Donc il est encore vivant, on peut encore l'utiliser pour aider. Ce n'est pas terminé. Il est beau de voir un ancien président. Walou Mamadi Rahawaliraba. Walou Rahawaliraba, c'est un slogan. Partagez ce slogan. Walou Mamadi Rahawaliraba. Fondation d'or. Je vais appeler Mohamed Lamine, l'un des plus ingénieurs, c'est-à-dire de béton. Dans sa formation glorieuse, qu'est-ce qu'on fait pour mettre des bétons? Parce que si on n'a pas des bétons, on n'a pas une bonne fondation. On ne pourra pas avoir des étages de succès. Parce que si la fondation n'est pas plantée, bien plantée, on ne peut pas prospérer. Donc, en l'occurrence, ce grand ingénieur que nous demandons au président de la République, on doit user ces ingénieurs comme ça. Ces ingénieurs comme ça. Il y a Fori Arafan Berete, un grand ingénieur de bâtiment. Ce sont ces ingénieurs qu'on a besoin. On leur donne les contrats de Fria. Ils vont reconstruire Fria. Petit Paris va revenir. On va leur donner les contrats. Ces gens-là ne sont pas politiques. Ce sont des cadres qui peuvent faire beaucoup de choses pour la Guinée. Alors, promotons nos cadres. Sortez du silence. Où était Makenen? Vous pouvez changer la Guinée, les cadres de Fria. Ou un ministre de la Guinée, ou un directeur national de la Guinée. C'est nos comportements qui nous tuent. Ou un ministre. Et pas dans le temps qu'on a obé. Allah a fini ma serre et au brinquage à fin. Non, dit non, falare. Mon non, dit non, falare. Ou manga colo, ou à souroni. Fria yakunana abakar marisara. Enfant ou bête ou enfant ou bêtina. Ou non, n'a pas le goût de ramatode. Ou à moto, m'y gâte un fanana place ou n'a rançon. A tout bas, tout, on a ce que vous voulez. Le côté, à nous, il y a un annonce. On voit un cas free. Le cercle de Fria, c'est Bakama.